Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau très ludique, un tableau spécial débutant à l'acrylique pour réaliser un paysage d'Afrique. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. Mais sachez que j'en sors une tous les lundis à 17h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17h pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile petit format, c'est du 20 par 30 en coton. J'aurais pu utiliser un format plus grand si je l'avais souhaité et du lin bien évidemment. Je vais l'enduire avec une couche d'acrylique, mélange de rouge et d'orange. C'est parti. Je réalise donc un rouge orangé bien lumineux mélangeant du rouge foncé et de l'orange. Un mélange que je veux bien homogène. Et je vais l'appliquer directement au rouleau sur ma toile. Donc je vous l'ai dit, c'est un tuto très ludique. Donc je cherche de la plus facile des manières pour réaliser ce projet. Je vais prendre du ruban de masquage. Que je vais placer un petit peu plus bas que le milieu de ma toile. Un petit bout de mousse de récupération ici, l'intérieur d'un vieux canapé, ça peut être un bout de coussin. Que vous avez, je le trempe dans de l'acrylique noir et je viens délicatement former des buissons de manière un peu aléatoire sur ma toile. Avec de l'orange, je viens en mettre un tout petit peu sur la partie haute pour apporter de la lumière. Si vous êtes gêné par le noir, séchez-le avant avec le sèche-cheveux. Et si vous trouvez que vous en avez trop mis, il suffit de revenir avec du noir. Je prends quelque chose de rond, un couvercle. Est-ce que vous avez un bol? Et je viens le positionner pas tout à fait centré. Je remplis ce cercle avec de l'acrylique blanc. Si je trouve que c'est trop blanc, je peux venir mettre un tout petit peu d'ocre jaune qui va me donner une teinte un peu plus vanillée.
Et si je trouve que c'est définitivement trop blanc, je peux rajouter un petit peu d'orange dans ce mélange, sans trop. Je prends un pinceau très fin et je viens faire le corps de marbre. Je viens illuminer le côté droit. Toujours avec de la mousse et du noir, je viens composer le feuillage. J'enlève mon scotch. Je suis venue avec mon rouleau. Alors je l'ai fait, mais ça n'a pas enregistré malheureusement. Je suis venue avec mon rouleau et de l'acrylique noir faire quelques mouvements de va-et-vient en appuyant un tout petit peu sur les bords pour que ça me marque et ça me fasse des reflets sur l'eau. Je viens retracer de la lumière sous mon soleil. Je crée des traits plus ou moins fins.
je recrée une berge. Sur laquelle je vais positionner un personnage, un guerrier Maasai. Je fais d'abord une tête en forme d'olive. Tête que je viens élargir pour créer des épaules. J'en crée un second, plus petit cette fois. Mais je vais prendre un peu de rouge. Pas trop, plus d'orange que de rouge ce coup-ci. Je crée le reflet.
quelques oiseaux. Et quand je trouve mon tableau équilibré, j'arrête. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir.